Well, this sale is composed of the personal collection of Elsa Schiaparelli, famous 1930s couturier, and it's being sold by her granddaughter, Marisa Berenson, the actress and model, who has come to the stage of thinking that now she wants to share her cultural heritage with more people. So she's presented here a selection of objects, furniture, paintings, and also couture that came directly from her grandmother's house in the Rue d'Auberry. D'abord, c'est un événement dans la mesure où c'est la première fois qu'on organise à Paris la vente d'une collection de couture. Ça, c'était important. La première chose. La deuxième chose, c'est que c'est Elsa Schiaparelli qui est quand même un nom mythique de la couture en France dans l'entre-deux-guerres, puis un petit peu après la guerre. Et en même temps, ça lie sa petite fille, Marisa Berenson, et tout ça constitué. Est arrivée cette collection de couture et d'objets personnels d'Elsa Schiaparelli, donc c'était une vente assez émouvante en soi. Well, we're here looking at Elsa Schiaparelli's personal wardrobe, which tells you something about her personal style, which was pared down but with a big twist of humour, of influences. It includes things from the important couture collections, but it also contains Chinese robes that she wore at night when she watched television. One of Schiaparelli's most famous collections is the astrology collection, and we are lucky enough to have a blouse here. They're rare as hen's teeth, and all the museums and collectors in the world look for things from this particular collection. Schiaparelli is well known for her bold use of colour, and one of her favourite colours and her signature colour is called shocking pink. Ce qui est intéressant, c'est surtout de voir que dans son décor, il y a de la curiosité comme dans la conception de la couture. Ici, vous avez autour de nous les tapisseries d'après-boucher qui sont les scènes orientales. Et bien, en même temps, vous voyez des costumes qui viennent d'Orient, qu'Elsa Schiaparelli avait plaisir à porter, mais aussi à redessiner pour sa maison de couture. Alors, le plus important, c'est dans les objets, c'est évidemment le lampadaire de Giacometti, qui était dans le premier appartement d'Elsa Schiaparelli, décoré par Jean-Michel Franck dans les années 30, qui était rue Barbet-Jouy. Et ça fait partie à peu près du seul élément de cette époque qu'il a suivi dans ses divers appartements, jusqu'à son hôtel particulier de la rue Berry, où elle passera la fin de sa vie. Monsieur et Madame Satan, Marisa Berenson en parlerait mieux que moi, parce qu'elle a eu peur toute sa vie quand elle arrivait chez sa grand-mère à cause de Monsieur et Madame Satan. Et en fait, ils étaient dans l'entrée et elle raconte volontiers que, en fait, comme vous le voyez, Monsieur Satan a la main traité comme un plateau. Et les invités laissaient toujours un souvenir, que ce soit un petit bijou, une pièce, comme ça, comme la fontaine de Trévi, pour dire « nous reviendrons ».